Au cœur d'Abidjan, un village d'artistes résiste au soubresaut ivoirien. Le village Kiyi, incontournable lieu de spectacle et centre de formation artistique à Abidjan, résiste et se projette dans l'avenir après avoir subi de plein fouet les soubresauts d'une décennie de crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Maintenant, on ne voit plus les jeunes avec les coiffures bizarres qui allaient et venaient tout le temps. Dit à l'AFP, Aline Messou, une voisine du Kiyi. Les salles et les allées du village, accrochées depuis 1985 à une côte dans le quartier chic et verdoyant de Cocody, n'accueillent plus en effet des centaines de pensionnaires. Seule une petite trentaine de personnes fréquentent quotidiennement ces bâtiments aux façades défraîchies. Seul devant l'entrée, un orchestre en train de répéter crée un peu d'animation. Sous la férule de la reine mai, Warewere Lee King, à la fois écrivain, chanteuse, peintre et chorégraphe, le centre, au mode de vie communautaire, a formé en près d'une trentaine d'années plus de 500 jeunes de différentes nationalités aux métiers artistiques, de la danse à la musique en passant par le théâtre. Mais la longue décennie de tourmente ivoirienne, qui a culminé avec la crise post-électorale de 2010-2011, où quelques 3000 morts, a provoqué le déclin du fameux village autofinancé par ses spectacles et formations. Les spectateurs se sont faits de plus en plus rares, notamment en raison du départ d'expatriés fuyant les troubles dans les années 2000 et les pensionnaires aussi. Pourtant, le Kiyi résiste, affirme Warewere Lee King, nous sommes en train de rebâtir et donc nous avons un projet de relance complète de nos activités. La César Genet jette un œil aux ouvriers qui achèvent de refaire un bâtiment emporté par le vaste chantier de construction d'un échangeur qui a mordu sur le village et qui, comme de malchance, en complique grandement la scène. Avec ses grosses lunettes et ses gros dreadlocks, retenu par un foulard, l'artiste panafricaine convaincue n'a pas en ce jour pluvieux de mai l'allure flamboyante qu'on lui connaît dans tout Abidjan. Maquillage spectaculaire, innombrables colliers et bracelets, alors qu'elle est assise sous une véranda d'où elle voit venir les visiteurs empruntant le chemin tortueux menant au centre. Malgré la crise, le village a tenu parce que nous avons misé sur les infrastructures. Le musée, où sont exposés tableaux, sculptures et autres objets. Et là, il y a des gens qui viennent visiter. Il y a une salle de théâtre qui continue d'aider beaucoup de gens à présenter leurs créations, indique-t-elle avec l'accent de son Cameroun natal. Depuis peu, Landry Louoba, une jeune chorégraphe passionnée, dispense des cours de danse à de jeunes enfants en attendant les classes prévues pour les vacances scolaires. Objectif à terme, rouvrir le centre de formation qui a périclité. C'est notre souhait que d'autres enfants viennent aussi en profiter, explique l'artiste, elle-même sortie du centre. Le Kiyi rayonne également hors de Côte d'Ivoire en participant à des festivals en Europe ou ailleurs. Après Rome récemment, l'équipe prépare des spectacles en Colombie pour juillet. On est en train de préparer des créations, nouveaux albums, nouveaux spectacles, lance la reine May avec enthousiasme en montrant son mari, Pape Niepo, chef d'orchestre, travaillant sur un nouveau répertoire. Beaucoup d'ex-pensionnaires du village sont aujourd'hui les ambassadeurs du Kiyi, Gliss Werewere Lee King, qui ne cache pas son admiration pour Dobe Niaoré, chanteuse ivoirienne révélée ces dernières années et sacrée au Grammy Awards en 2010. Elle avoue une grande tendresse pour la jeune femme arrivée enfant au village et qui a vraiment fait un bon chemin. « Je suis très fière d'elle », dit la maîtresse des lieux à propos de la plus célèbre de ses élèves. « Mais je suis fière de tous. »